Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est autre que la présentation du pack du Entre Default que j'avais annoncé et que je teasais depuis un petit bout de temps maintenant. J'avais dit que je le sortirais pour les 5K et on les a atteints. Enfin, pas encore maintenant, mais genre je record en avance, donc vous m'avez compris. Bref, je suis assez fier de ce pack. Comparé à l'autre, là j'ai fait beaucoup plus de trucs. Il y a vraiment très peu de trucs qui viennent d'autres personnes. La quasi-totalité, soit c'est des textures par défaut de la 1.14, soit c'est des trucs que j'ai fait moi-même en fait. Voilà, donc déjà là on a tout ce qui est stone, minerai, on a un peu tout. Donc là vous voyez l'ambiance des cavernes. Bien évidemment vous n'aurez pas de feuilles dans les cavernes, mais au niveau de tout ce qui est cobble et tout, la cobble est ultra clean, je trouve. Ça, c'est vraiment une de mes textures préférées. Et pour le coup, du coup, ouais, c'est moi qui l'ai faite à partir de celle de l'1.14. Le pack aussi, je le dis direct parce que sinon je vais jamais y penser. Vous avez des échelles 3D, tout simplement pour tout ce qui est bedwars ou jump et tout. C'est trop utile. Donc voilà. Là aussi, vous avez des connected textures. En fait, pour ceux qui savent pas ce que c'est genre. Tu vois, genre un bloc comme ça, si je mets un autre bloc à côté, tu vois, il va s'étendre et là on a un contour autour des deux blocs. Et donc vous avez ça pour la laine aussi, par exemple, si vous faites un tapis comme ça, voilà. Et pour le bedwar, ça rend vraiment trop bien. Et il y a un truc aussi, c'est limite de la triche, parce qu'en fait, je vais vous montrer. Si vous avez un bed, et vous savez, il y a des mecs qui font des défenses un peu allongées, genre où tu sais pas trop où il est le bed, genre comme ça. Bah là tu vois, en fait, t'as la bordure qui te dit que sous ce bloc là t'as un autre bloc. Par contre en dessous de ce bloc là t'as pas de bloc de laine. Du coup tu sais qu'ici il y a le bed. Bon, dans tous les cas normalement tu casses au milieu donc ça change pas grand chose. Mais voilà, je trouve ça rigolo. Ensuite on va pouvoir continuer. Donc là on a les épées. Hop, vous voyez, on a l'épée en bois, l'épée en or, l'épée en pierre, l'épée en fer et l'épée en diamant qui brille bien. Je suis vraiment fier. J'avais un pack comme ça avec des épées très brillantes et j'ai vraiment kiffé le concept. Du coup j'ai refait mes propres épées avec des couleurs vraiment brillantes comme ça et je trouve le résultat vraiment magnifique. Bien sûr il y a une épée en netherite si vous avez le pack 1.16. Là on a la rod, vous voyez, on a le petit flotteur en bleu ciel. Ça c'est sympa, l'arc c'est du full vanilla, je trouve que ça passe large. Le réticule, c'est pratiquement celui de base, vous voyez il est juste un petit peu plus clean. Je préfère aussi, là les potions, c'est du full vanilla, particules full vanilla aussi. Et voilà, donc là pareil, c'est vraiment des trucs vanilla, parce que j'aime vraiment beaucoup les textures de base en fait. Il y a juste certains trucs je trouve que bah, c'est pas jouable avec. Là vous voyez on a le diamant, lui je l'ai vite fait refait pour les couleurs, mais sinon je le trouve vraiment très joli de base. Voilà, donc là on a le feu, celui-là c'est un feu qui a été fait par Tori il me semble, je crois pas que ce soit celui de base de la 1.14. Là on a du coup l'interface utilisateur pour... bah pour la survie tout simplement. Mais on a les cœurs hardcore et tout. Je trouve ça vraiment stylé comme ça. J'avais déjà fait ça sur mon ancien pack. Là vous voyez on a l'inventaire qui est vraiment très clean. Et là on a pareil pour les trucs créatifs hein, tout simplement. Tout ça c'est du vanilla. Je trouve franchement les textures de la 1.14 elles sont vraiment nickel. Et elles passent de ouf. Donc voilà. Ensuite là on a tout ce qui est outils, il n'y a pas ça en or mais globalement c'est à peu près pareil, vous voyez. Ils suivent tous le même style. Donc là pour le coup c'est vraiment genre à peu près les textures de base. Sauf que les couleurs et tout ont été changées. Et j'en suis plutôt fier. Vous voyez ça brille bien, c'est joli, on apprécie. Ensuite... là vous voyez vous avez de la clear water pour tout ce qui est UHC ou n'importe quel mode de jeu en fait où vous avez besoin de voir à travers l'eau. Il y a un low fire évidemment. Là vous voyez il y a toutes
les interfaces. Et j'ai enlevé tout ce qui était texte en fait. Ça marche si vous avez le jeu en anglais et en français. Genre là par exemple on n'a pas le texte de l'enclume. Ça c'est parce que c'est un nom custom que le créateur l'a donné. Le créateur de la map. Là vous voyez on n'a pas marqué crafting, là on n'a pas marqué genre inventory et tout. Et je trouve que ça fait tellement plus clean comme ça. Bref, j'adore. Ensuite on va passer à tout ce qui est armure. Donc là voyez, vous avez les armures, elles sont très brillantes. Et si en plus vous avez genre les enchantes comme ça, je trouve que ça rend tellement nice. Et puis voilà, là on a toutes les armures. Hop. Donc on va. Donc là vous voyez le ciel de nuit, c'est le Clouds and Planets, ça vient pas de moi. Mais niveau nuit pour le Bedwars, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et là on a le ciel de jour. C'est un ciel qui a été fait par Matox il me semble. Et que j'ai retravaillé pour qu'il affiche. En fait le ciel de base qu'a fait Matox, genre, il est fait pour au-dessus de l'horizon. Genre en dessous c'est vraiment une couleur unicolore. Et c'est vraiment pas très joli, genre si tu joues en Skywars ou en Bedwars, que du coup le Void, ouais, il est unicolore. Et du coup j'ai fait en sorte que ça se reflète. Du coup vous avez un ciel complet et c'est plus joli. Au niveau des particules, on est vraiment sur du full vanilla. Et perso je kiffe. Voilà, donc là vous avez tout ce qui est végétation et tout. Ça rend comme ça. Et vraiment je suis vraiment content, ça représente vraiment la vision du jeu que j'avais. Là on a le Nether, vous voyez c'est vraiment full 1.14 pour le coup. Et je trouve ça vraiment beau comme ça. Vraiment clean. Et voilà, on en a fini avec la présentation du pack. Donc les liens de téléchargement seront dans la description. Et maintenant je vais vous montrer en fait comment activer les différentes fonctionnalités sur Optifine. Parce que j'ai beaucoup de questions qui me... Enfin, j'ai beaucoup de gens qui me demandent mon ciel il est coupé ou j'ai des problèmes avec telle ou telle fonctionnalité. Donc la première fonctionnalité c'est les connected textures. Bon ça pour le coup c'est pas trop compliqué. Là vous voyez c'est activé. Faut aller dans options, les paramètres vidéo. Ensuite vous allez dans qualité. Et là vous avez connected textures. Donc là. Donc là vous voyez je viens de le désactiver et donc on a les blocs de laine comme ça. Où on a les bordures en fait pour chaque bloc. Donc ça pareil si vous genre vous aimez pas les connected textures, vous pouvez genre juste les désactiver. Et du coup pour les activer et pour que ce soit bien aussi, il faut le mettre sur fancy. Donc la qualité, hop. Parce que si vous le mettez juste sur fast. Voilà, parce qu'en fait si vous le mettez juste sur sur fast, et ben vous aurez pas les coins en fait. Genre attendez, je vais enlever bloc overlay. Voilà. Vous voyez, là il manque un pixel, là il manque un pixel. Là par contre ça passe, genre vite fait. Et là par exemple, il manque un pixel et vous voyez, c'est vraiment moche. Donc je vous conseille de le mettre sur fancy. Et là vous voyez, on a bien les coins en fait. Et c'est tout beau, tout propre. Donc la deuxième fonctionnalité, c'est le custom sky. Donc là vous voyez, on a le ciel. Donc pour l'activer, vous mettez custom sky voilà sur on. Vous voyez, si je le désactive, il n'y a plus rien, je le mets sur on, ça apparaît. Et pour qu'il soit en entier, vous allez dans détails et vous enlevez sky et vous activez les étoiles. Vous voyez que si je désactive les étoiles, bah, on n'a plus de ciel. Et si j'active sky, et bah il est coupé en fait. Et c'est vraiment dégueu. Et si on... Ouais voilà. Donc vous mettez bien ça sur off et stars sur on. Et voilà, vous aurez un sky tout propre. Donc la fonctionnalité suivante, ça va être pour avoir l'air, vous voyez comme ça, qui recouvre entièrement les blocs. Ça c'est très simple aussi, vous allez dans qualité encore une fois. Et là vous activez l'option better grass. Moi je le mets sur fast. Si vous le mettez sur fancy en fait, ça va mieux détecter quand ça doit mettre justement de l'herbe pleine ou quand ça doit mettre la texture de base. Perso je suis vraiment pas très fan, ça donne des trucs très chelous comme ça. Donc je vous conseille de le mettre sur fast. Hop, là sur fast au moins c'est chelou. Mais c'est tout le temps la même chose donc c'est pas très choquant. Et du coup quand on a des grandes plaines comme ça, c'est un peu moins bizarre. Et je suis très fan pour le coup. Et enfin, on se retrouve pour le tutoriel pour
installer le pack. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment on fait pour installer un pack. Donc je vais vous montrer. C'est ultra simple vraiment. Donc tout d'abord, ce que vous allez faire, c'est télécharger le pack que vous voulez. Donc moi, hop, par exemple là, je veux le pack en version 1.8. Je vais cliquer sur ce lien là. Donc là, c'est un lien Mediafire, voilà. Vous cliquez sur Download, ici le gros bouton bleu. Vous choisissez où est-ce que vous voulez enregistrer votre pack. Moi, je le mets dans le téléchargement. Ouf. Voilà. Voilà, il fait 25 mégas, ça va être assez rapide. Vous pouvez revenir sur votre jeu en attendant. Vous appuyez sur Échappe, vous allez dans Options, Resource Pack. Et là, ça va charger, Lunar est très long. Mais vous voyez que là, en gros, j'ai pas de pack. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur ce bouton-là, Open Resource Pack Folder. Et voilà, ça va vous ouvrir votre dossier de ressources pack. Et vous allez mettre ce que vous avez téléchargé là-dedans. Donc là, je peux aller ici. Hop, prendre mon archive. Et je vais venir la déposer ici. Donc là, je vais revenir sur Minecraft. Je vais quitter, voilà, pour que ça s'actualise. Je vais revenir dans Resource Pack. Et là, vous voyez, mon pack, il est apparu. Vous cliquez sur la flèche. Vous cliquez sur Down. Vous attendez. Et vous aurez votre Resource Pack d'installer. Voilà, ça marche comme ça pour tous les packs. Faites juste attention à ce que vous soyez sur la bonne version de Minecraft pour le bon pack. Mais sinon, c'est extrêmement simple. Sur ce, j'espère que vous aurez aimé la vidéo, que vous allez aimer le pack. Parce que moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. Et je prends énormément de plaisir à l'utiliser. Et je pense pas changer avant un bon moment. Parce que pour le coup, j'en suis vraiment fier. Et voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. C'est vrai que j'en demande pas beaucoup. Mais ce genre de truc, ça me prend genre beaucoup plus d'efforts à faire que pour une simple vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao !